La spiritualité est profondément ancrée dans la vie quotidienne du peuple khmer. Et tout ton pays bouge au rythme des célébrations religieuses. À tel point qu'il n'y a aucune séparation entre vie spirituelle et vie matérielle. La légende veut que le Cambodge soit né du mariage de la reine des Nagas avec un prince venu des Indes. Et en cadeau de mariage, son père, donc le roi des Nagas, a avalé toute l'eau qui recouvrait le Cambodge, et c'est à ce moment-là qu'est né le Cambodge. Par contre, dans le mythe de la création du monde, on raconte comment le monde a été créé. Les dieux Deva et les démons Asura, au début des temps, luttaient pour la maîtrise du monde. Les Deva, sur le point de perdre, demandèrent l'assistance de Vishnu, qui leur proposa d'unir leurs forces à celles des Asuras dans le but d'extraire l'Amrita, le nectar d'immortalité de Kshirodadi, la mère de lait. Pour ce faire, ils devaient entre autres renverser le monde Mandara et utiliser le serpent Vasuki, le roi des Nagas, pour mettre la montagne en rotation en tirant alternativement. Lorsqu'après 1000 ans d'efforts, le barattage produisit entre autres une coupe, Kumbha, pleine d'Amrita, les Asuras s'en emparèrent les premiers. Alors, Vishnu prit la forme de Mohini, la plus belle femme du monde. Ayant subjugué les Asuras, il prit la coupe et la donna aux Devas, qui, devenus immortels, précipitèrent les Asuras aux enfers. Sa Majesté le Roi Norodom Semoni, fils de Sa Majesté le Roi Norodom Sihanouk, figure incontournable du XXe siècle cambodgien, a été élu successeur de son père. Au Cambodge, le roi joue un rôle primordial. Il garantit le lien entre vie spirituelle et vie matérielle. Et dans son sillage, la famille royale jouit d'un statut similaire. Pour approfondir ce thème de la spiritualité, Son Altesse Royale la Princesse Samdak Sisovat Pongnari Monipong nous a concédé une interview exclusive. Son Altesse le Prince Tesso Sisovat nous a accompagnés dans une visite privilégiée du Palais Royal. L'anthropologue et ethnologue Fabienne Loco nous a donné son point de vue en tant qu'étrangère sur les us et coutumes khmer qu'elle étudie depuis des années. Le cinéaste Ritipan, célèbre au niveau international, nous a accueillis et nous a parlé de son lien à la spiritualité et comment il l'intègre dans son travail. La danse au Cambodge interagit avec le spirituel. Pour en parler, nous avons rencontré Niak Krou Sin Samad Dekhor, célèbre maîtresse de ballet, ainsi que Niak Krou Hun Pen, qui nous a permis d'assister aux répétitions de sa dernière création. Ceci n'est qu'un aperçu de ce que ce vaste thème de la spiritualité au Cambodge représente. En guise de conclusion temporaire, cette citation du roi Javavarman VII résume en elle-même la force du lien entre le roi, représentant des divinités sur terre, et son peuple. C'est la douleur de son peuple qui fait souffrir un roi et non sa propre douleur.